Il a bu mon jet. Attends, je vais vous expliquer. Hello les panamophores, là j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va. Si de nouveau, n'hésite pas à activer la cloche et tout machin en fait. Bienvenue chez les panamophores pour ceux qui parlent. Aujourd'hui je vais vous expliquer une story time franchement qui aujourd'hui me fait pas vraiment mal en fait parce que comme j'avais ça, il me disait que c'était pas, tu vois, c'était bizarre. Sur Instagram, tu vois, tu as les pseudonymes et tout. Moi, mon pseudonyme en bas, c'est Panamof en fait. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et tout. Je poste en quelque sorte du contenu. Donc, partez vous abonner. Le pseudonyme, lorsqu'une personne l'a utilisé, tu ne peux pas l'utiliser en fait. On ne peut pas utiliser. Nous, on ne peut pas avoir le même pseudonyme. À part si tu as ajouté un nom, une lettre, un point. Voilà, vous savez de quoi je parle et tout. Donc, finalement, j'ai tapé sur. J'étais là dans mes recherches sur Instagram. J'ai tapé Panam. Puisque je m'appelle Panam, j'ai tapé Panam, j'ai vu un compte qui était privé au fait, tu vois, genre zéro abonné, zéro abonnement, zéro publication et tout. Donc du coup, comme je fais l'informatique, j'avais envie de faire sauter le compte là, comme ça j'allais utiliser le pseudonyme Panam, tu vois. Mais finalement, j'étais genre toujours flemme et tout machin. J'ai parlé de ça à un ami qui s'appelle Sheriff et tout. Il m'a dit qu'il a oublié ses listes de commandes Linux machin et tout. Même à un de mes amis Jordan, il a oublié et tout. Donc du coup, ça fait que j'étais obligé de me diriger vers une personne. C'est vers la personne que je me suis dirigé. La personne a pris ma tête. Mais non, ça me fait mal. Mon Dieu. Seigneur, mon Dieu. Je continue. Et tout. Donc, du coup, j'étais dans ma recherche Facebook. J'ai essayé de trouver un informaticien qui faisait ce genre de choses et tout. Et je suis tombé sur une personne. Plusieurs personnes, du moins, qui n'avaient pas le même prix au fait, tu vois. Quand dit le moins cherché, en tout cas, j'ai validé le code. Je vous explique. La personne étant, j'ai juste discuté avec trois personnes comme ça qui m'ont dit de trois prix différents. Et pour moi, je me suis dit, voilà, comme j'ai pas beaucoup d'argent pour les petits cheveux, si ils savaient. Peut-être même les autres qui étaient chez la mété voulaient me prendre aussi. Attends, il va vous expliquer. Donc, du coup, j'étais en train de, tu vois, tranquillement, j'étais en train de discuter avec le gars et tout. Je lui ai demandé, ah, mais t'es dans quel pays et tout machin. On parlait en anglais avec mon anglais à 5 balles. Donc, du coup, on parlait et tout machin, discutait et tout. Je lui ai demandé, t'es dans quel pays? Il m'a dit que ah, je suis en Inde. Et moi, ça m'a un peu plus rassuré parce que genre, j'ai eu à discuter avec un de mes potes hein, qui m'a dit que en Inde, quand même, il y a de bons informaticiens, machin, guillemets, passer par des raccourcis. Donc, j'ai dit, ok, à fond, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'a un peu plus rassuré. Que je dis, ça fait combien? Il m'a dit que ça fait 40 dollars. 40 dollars, quand j'ai converti, c'était pas, tu vois, c'était un peu élevé quand même pour pas en se mentir et tout. Et comme moi aussi, je suis informaticien, je ne vais pas venir dire, ouais, ça coûte de ça là, tu vas venir. Parce que, au fait, on ne sait pas le travail qui se passe en bas, en fait. On a toujours l'impression à juger les choses et tout. Mais quand tu es informaticien, tu vois le travail qui se passe. Donc, du coup, je ne suis pas vraiment, tu vois. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Je dis, ah, mais on passe par quoi? PayPal, Western. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, attendez. Donc, du coup, faisons Western Union, c'est libéré, vite, vite, quoi. Je vais pas, on va pas rester dans mon verre. Du coup, il m'a donné son nom, son prénom et tout, machin. J'ai pris. Et en ce moment-là, je vais dire, c'est moi, c'est Dieu qui a fait. Moi, je vais faire un dépôt Western, j'oublie ma carte d'identité. Genre, je suis arrivé dans le coin, j'ai oublié ma carte d'identité, au fait, tu vois. Et le gars m'a envoyé un message, il me dit, attends, je fais ça à quelle heure, au fait, parce que genre, en Inde, je vous jure, quand tu as besoin de quelque chose, là, tu t'es fort. Ce jour-là, il me s'est informé, c'est là, il y a su que entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, il y a 5h30 qui s'est, tu vois. Il dit, hein. Donc, du coup, j'ai compris que le gars était vraiment, il était 15h ici, du coup, il était une histoire de 20h, 21h là-bas, donc du coup, tu vois. Et tantôt me dit, mais tu fais donc, je dis, non, je viens dans 30 minutes et tout machin et tout. Donc, je suis revenu à la maison. Au lieu de rester à la maison, de dormir, il y avait 4 là, il s'est allé faire des produits du gars. Je lui ai envoyé et tout, il a commencé à se non, pourquoi ils ont eu les frais dedans et tout. Je dis, attends, moi je t'ai envoyé l'argent et puis moi j'ai payé les frais. Toi, tu peux pas payer les frais là-bas. On a commencé à faire un bafou. Il dit que, ah bon, demain, s'il a retiré, il va me faire ici. Et là, j'avais mis le numéro. Parce que quand tu fais un West, on demande le numéro auquel tu veux, tu vois. Là, quand la personne a réceptionné l'argent, te fait signe. Demain, moi, on m'envoie un message pour dire qu'il a réceptionné l'argent. Il lui envoie un message. Il lui dit, attends, mais c'est comment? Tu fais mon taf ou tu fais pas mon taf? Il me laisse en vue. Tu fais mon taf ou tu fais pas mon taf? Il me laisse en vue. Il dit, attends. Mais il a fait l'entendre devenir autre chose. Hein. Il lui envoie un message. Il me dit que, I don't speak English, bro. Je dis, attends, toi et moi, on parlait mon anglais à 5 balles. Toi, tu viens me dire, I don't speak English.
Il m'a donné le nom d'une langue là que genre. Il s'est débrouillé, il me disait qu'il utilisait Google Traduction, que genre le parti utilisait cette langue. Je pense que c'est une langue, je sais pas, chez les Pakistanais ou bien tout machin. Il a traduit et dit que je lui ai demandé est-ce que tu vas faire mon travail. Le gars là m'a dit non, il fait pas mon travail. Quand il m'a dit non, là, non, je vous jure, personnellement, il était soulagé. Quand il m'a dit soulagé là, et quand il laisse en vue, tu vois, ça crée. Tu vois, tu as envie de péter, tu vas péter. Tu vois. Donc, du coup, le gars dit qu'il fait pas mon travail. J'ai dit ok, y a pas de souci, passe une bonne journée et tout. Et puis il me dit merci bro et tout. Et j'ai oublié la partie là. Parce que avant de faire le truc la journée, la capture d'écran du compte Instagram là et tout, tu vois. Et j'ai fait ça avec mon iPhone 7 plus et tout, tu vois. J'ai fait mon iPhone, j'ai envoyé la capture et tout. Je lui ai emmené un message, il voulait me jouer, genre, tu vois, comme dans les films hindous là. Genre me jouer vite une façon, genre tu as bouffé mon argent, moi qui suis aucun élève et tout, machin et tout. Vous savez c'est quoi le gars? Mais ce gars me dit que. J'ai un iPhone donc j'ai pas pour. C'est qu'il y a l'argent. S'il y a iPhone, c'est qu'il y a l'argent. Puis il dit attends. Et il m'a répondu comme ça directement. J'ai compris que il n'était pas trop intelligent en fait. Parce que payer quelqu'un un iPhone, la personne a trop l'argent. Et avec un iPhone, ils ont faim comme ça. Ils sont addicts aux choses bêtises comme ça. Ils ont faim. Tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont pas à l'aise. Moi, dans nos petits trucs, on snap, même, tu vois, même avec ce que je vous parle avec mon 5S. Mais vous voyez un peu comment la qualité donne. Quand on va vous demander, vous allez venir dire, ah, machin et tout, tu vois. Peut-être que j'ai une caméra, mais c'est pas une caméra avec une caméra que je vous parle, en fait. C'est qu'avec mon 5S. C'est pour vous dire, en quelque sorte, contentez-vous de ce que vous avez et tout. N'essayez pas là à être traumatisé par des gens qui ont. Il y a des gens qui font des sales, oui. On sait, on parle pas, mon cher. Tu vas pas venir conseiller quelqu'un toi pour quand toi-même tu fais péché, même si c'est pas la même chose, mais tu fais péché, donc faut laisser la personne va continuer dans son péché. Bref, donc quand il m'a dit ça, ça fait que à un moment je me suis dit attends, really? J'ai zappé au fait, genre j'ai zappé et tout, et franchement ça m'a appris quelque chose. Moi je suis quelqu'un, j'aime tellement faire confiance aux gens rapidement, genre speed, et je suis vraiment sincère et loyal, tu vois. Donc du coup, ça fait que je me suis dit attends. Un moment souvent quand tu veux envoyer l'argent, quand tu fais, même souvent même quand j'ai des trucs, j'ai envie de donner l'argent peut-être au réparateur, répare mon téléphone. Mais maintenant en fait ça m'a appris que quand tu dois payer quelqu'un, la personne va te montrer son taf, même si c'est un tiers du taf, dès que tu vois tu payes. Mais en tout cas c'était dur, payer l'argent c'était beaucoup. Après il a tapé l'heure parce que quand l'argent va, ça vient. Bon, je vous ai pas des détails en tout cas, mais franchement ça m'a vraiment appris, je vous parle franchement à cœur ouvert, sincèrement, faites tout avec votre cœur en fait, tu vois. C'est vrai que j'ai perdu l'argent parti et tout, mais demain peut-être pas deux fois, quatre fois plus en fait, genre on se presse pas en fait, tu vois, parce que quand t'es là ça va, ça vient, tu penses ça va venir rapidement, mais ça va prendre un peu de temps, je sais pas si vous captez. Donc franchement, faites beaucoup attention sur les trucs internet et tout. Ayez peur des Indiens. Vous faites les films ralentis, vous faites les montages bêtes. Là. Peut-être que le gars n'est pas en aide, mais peut-être qu'il a abusé, il a mis une photo de profil à 2 balles, à 5 balles, et puis voilà quoi. Mais voilà, c'est. Donc, c'était ça les panamophores, ce que j'avais envie de vous expliquer. En tout cas, moi, ça me fait un peu marrer parce que 40$, c'est pas. Tu vois, c'est l'argent, mais franchement. L'argent c'est que du papier au fait, donc du coup on va pas s'inquiéter pour ça, on va pas mourir. Du moment il y a la santé, on vit bien, on mange bien, on grossit, on vit, c'est important. Donc on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, donnez-moi des commentaires.